D'autres questions ? Bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir invités à ce forum. Adrienne n'a pas parlé du cadre précis dans lequel a été signée la convention avec la ville de Toulouse. C'est le cadre d'un festival qui se passe maintenant, qui est la deuxième édition, qui s'appelle la Novella. Et la Novella, c'est le festival des savoirs partagés. Donc on était tout à fait dans cette notion de diffusion et un festival qui s'articule dans un échange déjà entre l'art et la science. Donc il y a beaucoup d'expositions, il y a beaucoup de mise en scène, de spectacles de rue, d'interventions savantes dans les rues, hein, l'école porteur de savoir en particulier. Et en fait, là, il y avait une logique tout à fait à cette signature de convention entre la ville de Toulouse et Wikimedia, c'est que les deux institutions qui participaient à cette première convention, en fait, elles sont très proches. Elles étaient très proches, elles sont toujours très proches à ce moment-là, puisque nous débutions une exposition sur un personnage dont je vais vous parler, vous raconter un peu l'histoire, qui va nous permettre, en milieu d'après-midi, de voir quelques belles images, je crois, anciennes sur Toulouse et sur les Pyrénées, qui s'appelle Eugène Trutat. Et Eugène Trutat, il se trouve que c'est un photographe tel que je le présente là, mais c'est aussi un homme de science, et un homme de science lié au muséum, puisqu'il a été le premier conservateur des collections du muséum en 1865 jusqu'en 1890, et en 1890 il est devenu directeur du muséum jusqu'à sa retraite en 1900. Donc c'est un personnage qui est à la fois un photographe et un homme de science. Alors, les premières photos qu'il va réaliser, il naît en 1840, et les premières photos, c'est 1858. Donc, au travers de son travail photographique, qui va se poursuivre jusqu'à sa mort, en fait, on va avoir une histoire à la fois du paysage, une histoire de la ville, mais une histoire des collections aussi, quelque part, mais aussi une histoire de la technique de la photographie, puisqu'il va commencer avec le collodion humide, et il va terminer avec les autochromes des frères Lumière à partir de 1907. Donc sa vocation, en fait, et sa double vocation, il l'explique lui-même dans un texte, dans une de ses nombreuses publications, en fait, cette double vocation, à la fois de géologue d'un côté, puisque c'est la géologie qui est sa première science, et de photographe, eh bien, il va l'avoir au moment de son adolescence, donc vers les années 1855-56, au moment où le collodion, justement, va faire son apparition. Et tout de suite, il va être initié à la photographie, et il va toujours considérer, c'est ça qui est important dans son œuvre, il va toujours considérer la photographie comme un outil de connaissance, comme un outil de pédagogie aussi, on va le voir. Ce qui fait que, mais aujourd'hui, quelque part, quand on présente nos PowerPoints, nous sommes tous les descendants de quelqu'un qui a été un apôtre de la projection et de la conférence avec projection. Alors, ces images, elles ont un intérêt important pour nous, archivistes notamment, et archivistes d'une ville, parce qu'elles nous montrent une ville qui a bougé, qui a changé. Et en particulier, et on peut en revenir à ce qu'on a dit ce matin sur les monuments historiques, ici vous avez une vue de Saint-Cernin, Saint-Cernin avant la restauration de Viollet-le-Duc. Et vous savez que ça a été une grosse perturbation du monument que cette restauration de Viollet-le-Duc, à tel point que quand on a fait la nouvelle restauration à Toulouse dans les années 80, on a dérestauré, et le problème c'était de savoir dans quel état on allait revenir, et on est revenu à l'état antérieure à Viollet-le-Duc, puisque nous avions des documents, et que ce type de document a servi en particulier aux architectes qui sont revenus sur la restauration de Viollet-le-Duc. Une autre vue intéressante, tout à côté de Saint-Cernin, pour ceux qui connaissent Toulouse, l'actuel musée des antiques de la ville de Toulouse, le musée Saint-Raymond, qui était un collège aussi, et avant restauration, avec en particulier, eh bien, ici, cette maison à colombage qui a complètement disparu et qui était une maison des plus anciennes de Toulouse. Autre vision qui a complètement changé, d'un espace qui a changé, celui de la place Saint-Étienne devant la cathédrale où tous les éléments ici ont complètement disparu. On a cassé ces maisons et on a dégagé complètement la cathédrale. Donc vous voyez que ces documents sont importants pour l'histoire de la ville. Alors, une des marottes d'Eugène Trutat, ça a été, comme beaucoup de personnages
à son époque, des personnages de la bourgeoisie toulousaine, ça a été l'attrait des Pyrénées. C'était un géologue, je vous l'ai dit, de vocation, un géologue qui, très vite, autour de lui, a rassemblé d'autres étudiants ou d'autres jeunes bourgeois de Toulouse qui ont fait les premières ascensions, ou du moins parmi les premières ascensions, de certains sommets, qui sont allés surtout transporter leur chambre photo, et vous voyez là, sous le pied de Truta qui est au milieu, le poids de la chambre à l'époque, c'est une chambre, ça je pense, 24-30, et donc qui était très lourde, qu'il fallait des porteurs, il fallait des plaques, etc. Donc c'était de vraies aventures qu'il raconte dans certains de ses ouvrages. Il va réaliser en particulier, dans les années, au début des années 1860, les premières ascensions au pic d'Aneto, qui s'appelait à l'époque le Netou, et qui sont des documents là aussi exceptionnels. Alors l'intérêt du travail de, non seulement de photographe, mais surtout de scientifique de Truta, c'est qu'il s'est particulièrement intéressé, ici vous le voyez avec un groupe dont les Bianchi père et fils, qui étaient les introducteurs de la photographie du daguerréotype à Toulouse dans les années en 1839, hein, eh bien, son principal centre d'intérêt, ça a été, en fait, l'avance des glaciers. Et là, on a une série de photographies sur ce qu'on appelait les blocs erratiques, c'est-à-dire les blocs qui gardent la trace des glaciers, qui sont absolument exceptionnels. Alors, dans ce fond de Truta, il n'y a pas que des photographies de Truta. Ce fond, il faut le dire, et ça fait un autre lien que nous avons avec le muséum, il est actuellement conservé dans trois institutions différentes de Toulouse. Le muséum qui en a la plus grosse partie, environ 15 000 plaques de verre. La bibliothèque d'études et du patrimoine de Toulouse qui en a 5 000. Et nous, qui sommes les petits derniers, qui en avons 500, essentiellement centrés d'ailleurs sur Toulouse. Ces deux dernières institutions conservant par dépôt le fonds des Toulousains de Toulouse. Donc, ça pose toujours le problème de la conservation de ces plaques photos et de la communication de plaques photos qui sont par essence négatives pour la plupart. Donc, dans ce fonds, il y a à peu près 5000 de ces plaques qui sont annotées de la main de Truta par des inscriptions autographes sur des enveloppes qui enveloppaient les plaques de verre. Le reste est à identifier plus précisément, on y reviendra tout à l'heure. Alors Truta, il va être aussi à la naissance de plusieurs sociétés savantes et académies toulousaines, dont la Société d'histoire naturelle que vous voyez ici en promenade, du côté de Quillan. Il va être aussi, et là on retrouve le lien très étroit avec la recherche, il va être aussi le collaborateur de Cartaillac, donc un des grands préhistoriens, dans cette publication qui s'appelle « Les matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'homme et l'étude du sol », etc. Et il va aussi être un témoin des événements de son temps. Un témoin des événements de son temps, en particulier quelque chose qu'on ne connaissait que par les archives papier, et là c'est intéressant d'avoir justement cette vision photographique des choses, le camp qui est installé à Toulouse après donc la défaite de Sedan et l'abdication de l'empereur, et donc un camp pour les mobiles de la Haute-Garonne qui va être installé autour de Toulouse pendant quelques mois, mais ces gardes vont être formés mais ne vont pas être mobilisés à l'époque, mais ça nous donne quand même une idée des choses. Le muséum dans lequel il est, le voilà en 1871, donc si vous allez aujourd'hui au muséum, on trouvera toujours quand même des grandes bêtes, hein, mais c'est plus tout à fait comme ça, mais c'est intéressant d'avoir justement, parce que nous avons plusieurs campagnes photographiques sur le muséum, y compris une campagne complète du muséum avant qu'il ne déménage et qu'on ne fasse les travaux. Donc c'est intéressant de mettre tout ça en perspective. Il va aussi, à gauche, il va aussi travailler avec un homme plus jeune que lui, qui est aussi passionné de photographie, lui aussi scientifique, qui s'appelle Charles Fabre. Charles Fabre qui est un des grands hommes de science et grands hommes de la photographie, méconnu d'ailleurs comme tous ces grands photographes de province au profit d'une histoire de la photographie encore très parisienne et très jacobine, je dirais. Voilà. Donc, il faut le citer. Alors, témoin de son temps, par exemple, les grandes inondations de Toulouse de 1875 qui ont fait plus de 300 morts,
hein, avec des milliers de logements qui se sont effondrés dans certains quartiers, les quartiers de la rive gauche de la Garonne. Et vous voyez ici quelques-unes des images qu'il a prises. Vous voyez qu'il y a plusieurs types d'images aussi, des stéréos en particulier, qui sont d'une très très grande qualité. Parce qu'en fait, l'idée, ça n'est pas de faire une photo artistique pour Trutin, c'est de faire une photo véritablement scientifique, c'est-à-dire qui permette de voir tous les détails de ce qu'on reproduit. Et puis il va continuer ses travaux dans les Pyrénées avec d'autres pyrénéistes et d'autres photographes dont il faudra, je pense, écrire l'histoire un jour, comme Félix Regnault, qu'on voit ici avec sa chambre dans un abri, hein. Ici, avec un autre personnage qui va faire l'objet d'une grande exposition au musée Paul Dupuy à Toulouse, de ses plaques photographiques, qui s'appelle Georges Ancelis, qui était un bijoutier, hein. Et enfin, Charles Fabre, dont je vous ai parlé, et qu'on voit ici à Gavarnie, avec toujours ces photos de groupe au sommet de ces amateurs éclairés qui vont du prêtre au libraire, au scientifique, etc. Donc voilà ces fameux blocs erratiques qu'il a photographié et qui permettrait, je pense, aujourd'hui de voir aussi leur état d'usure. Il s'est aussi préoccupé d'archéologie. Vous savez, il fait partie de ces hommes qui s'intéressent à tout. Pour eux, la nature, c'est à la fois un outil de connaissance dans tous les domaines des sciences, aussi bien sciences dures que sciences humaines. Donc voilà un dolmen, voilà une superbe entrée de la grotte de Lombrive, à Ussat en Ariège. Et je vous ai dit qu'il s'était occupé de pas mal de sociétés. Il a été un des fondateurs de la Société de géographie de Toulouse en 1882, qu'on voit ici du côté de Valcabrère, de Saint-Bertrand de Comminges. Deux ans plus tard, il participait à une exposition internationale de géographie à Toulouse, où là aussi il nous a laissé des vues de l'intérieur de l'exposition, ce qui est assez rare, et puis aussi des vues de ces événements qui animaient l'exposition, en particulier le lancement de ballons dans ces années 1881. Toulouse est aussi une ville qui reçoit le congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences, association qui elle aussi a eu un rôle dans la reconnaissance en particulier de l'art pariétal, si je ne m'abuse, au début du XXe siècle. Hein. Voilà, donc Toulouse était une ville de science déjà à l'époque, et cette ville de science allait bien sûr de pair avec la photographie. Et Trutin a été chargé, à la fin du siècle, en 1898, donc deux ans avant sa retraite, il a été chargé par la municipalité de faire le premier cours municipal public de photographie en France. Ça n'est pas connu non plus, et pourtant vous voyez que ça a eu beaucoup de succès. À l'époque, il a fait une série de 10 cours tous les dimanches, et à l'occasion d'un de ces cours, encore moins connu peut-être, il a fait venir les frères Lumière. Il a fait venir les frères Lumière qui ont filmé, on le sait, la sortie du cours de photographie de Monsieur Trutin au muséum. C'était la salle de zoologie qu'on a vue tout à l'heure. Donc la sortie de la... malheureusement le film a été perdu. Et nous n'en avons trace que par les écrits de Lumière. Voilà. Et Trutin, dans son travail de photographe et de photographe scientifique, va nous donner quelques images quand même que je ne peux pas manquer de vous montrer. En particulier, il va profiter, en 1895 par exemple, de la venue d'un cirque. Hein, c'est-à-dire, vous savez, c'est l'époque des jardins, du jardin d'acclimatation, des villages noirs, etc. Eh bien, on présente un temple hindou. Et en fait, ce temple hindou, il est animé par des Cingalais, des Ceylandais, hein, et il va réussir à convaincre le maire de demander au barnum, c'est-à-dire au directeur du cirque, de faire venir ces gens au muséum pour les prendre en photo. Et les prendre en photo de manière très anthropologique, sinon anthropométrique. On est aussi dans cette période où l'anthropométrie naît. Et vous voyez là, le même personnage pris en costume civil, hein, torse nu, et puis en costume de danse à l'époque. Il va aussi s'occuper des types régionaux, et vous voyez ici en particulier deux jeunes femmes du village où résidait sa belle famille, et dans lequel il s'est marié. Et puis il va aussi prendre les guides qui sont les premiers aides, et souvent des amis
de ces pyrénéistes qui ne peuvent pas aller tout seuls dans la montagne à l'époque, parce qu'on ne connaît pas tous les passages. Et enfin, il va aussi se préoccuper de photographies médicales avec ce qu'on appelle les crétins et les goitreux. Hein, on connaît les crétins des Alpes. Il y avait aussi des crétins dans les Pyrénées qui sont en fait des gens dont on sait maintenant qu'ils manquaient d'iode en particulier. Et donc, il va participer à cette recherche médicale grâce à la photographie et il va nous laisser ses clichés. Et puis, il va être un témoin de la ville dans sa vie quotidienne avec des marchés. Ici, vous voyez le marché à l'ail, avec bien sûr les oies de Toulouse, qu'on nourrit, avec ces scènes de halage de bateaux sur la Garonne, et puis une ville en mutation. Et il est tellement considéré comme bon photographe que la mairie, la municipalité, va lui demander, en 1900, de prendre des clichés de la ville dans les zones où elle va être perturbée par des grands travaux. Et donc il va réaliser une série de clichés, un peu comme Adjaye ou Marville avait été chargé à Paris de faire ce genre de clichés. Eh bien il va les faire pour Toulouse, avec justement cette ville en travaux avant qu'elle ne soit perturbée par la fin des grandes percées qu'on appelait haussmanniennes, mais qui sont un petit haussmann toulousain. Voilà entre autres une porte qui a complètement disparu maintenant de la ville. À la fin de sa vie, il va s'installer à Foix, en Ariège. Vous voyez ici un des autochromes dont je vous ai parlé tout à l'heure qu'il a laissé, avec toujours ce sens de prendre aussi l'instantanéité, ce qu'il ne pouvait pas faire au début de sa carrière de photographe, mais que là, il peut tout à fait mettre en œuvre avec les nouvelles techniques photographiques, avec ici par exemple le cirque Pender qui s'installe à Foix en 1906. Et puis, dans ces fonds, nous avons un certain nombre, et quelques centaines, je dirais, d'images, et c'est ça, je pense aussi, un des intérêts de travailler avec Wikimedia, c'est de mettre à la disposition de la communauté des Wikimédiens, eh bien, des images que nous ne pouvons pas identifier. Hein. Et donc, vous avez, par exemple, des sommets, vous avez des bâtiments, vous avez un certain nombre de sites, certainement, là, c'est un site préhistorique aussi, des sites paysagers qui sont plus difficiles, mais nous travaillons avec l'université pour essayer d'identifier, des sites archéologiques, certainement là en Algérie, où il a fait une petite mission. Alors toutes ces photos, pour le moment, se retrouvent de toute façon sur notre site internet, avec, vous voyez, au milieu actualité, Eugène Truta, le savant photographe. Quand on va tomber sur une page présentant un petit peu l'exposition, et de cette page, on a accès à l'ensemble des documents avec leurs cotes, et ensuite, bien sûr, à la fiche complète avec la possibilité d'avoir un accès direct à la vue. Alors, pour le moment, nous avons 200 images qui ont été versées dans Wikimedia. Il est évident qu'on va verser à terme les presque 500 images du fonds Truta, mais que nous avons des milliers d'images à mettre à la disposition de la communauté, des milliers d'images uniquement photographiques. On a estimé à peu près pour le moment des images libres de droit à 15 000 dans nos collections, uniquement photographies. C'est-à-dire qu'à côté, nous avons des milliers de plans, par exemple. On a beaucoup parlé de cartographie et nous travaillons beaucoup sur ces domaines de cartographie historique, de recalage de cadastres anciens sur le cadastre actuel, etc. Nous avons aussi une section d'inventaire du patrimoine bâti de la ville qui est liée aux archives. Et donc, voilà, nous faisons tout ce travail. Et je voudrais juste terminer, si je n'ai pas été trop long, par un cliché qui me paraît extrêmement symbolique. C'est ce que j'appelle le portrait métaphorique de Truta. C'est une image qu'il va prendre à la fin de sa vie et où il va rassembler, en fait, tout ce qu'a été sa vie de photographe, avec un médaillon qu'il représente, mais il n'est pas lui en personne, avec ses chambres photographiques, avec des appareils qu'un grossissement de l'image permettrait de mieux identifier, avec des objectifs, des plaques photos, et dans la partie gauche, vous avez un tas de livres. En fait, ces livres, c'est pas n'importe quoi, ce sont tous les livres qu'il a publiés sur et autour de la photographie, chez Gauthier Villard et chez Mandel essentiellement, c'est-à-dire les deux grandes éditions scientifiques du XIXe siècle. Voilà, je vous remercie d'avoir été patient.